Bonjour à tous, une vidéo que vous attendiez tous, c'est la vidéo de mon appartement. Alors, allons-y. Me voici dans l'entrée, qui est une grande entrée. Donc ici, il y a notre porte-manteau. Ici, les chaussures. Ici, nous avons un petit meuble de rangement avec nos petites clés, nos masques et puis les indispensables pour sortir, la crème solaire, lunettes de soleil, ici petit miroir. Donc alors, quand on va ici, on arrive dans un couloir. Il y a une porte vitrée parce que c'était un ancien cabinet de dentiste, donc on peut fermer ici. Là on a tout plein de placards, c'est que des rangements, vraiment super. Donc ici, on a une porte et c'est notre salle de bain. La voilà. Donc nous avons notre machine à laver. On a du mal à la gérer parce que c'est un ancien immeuble. C'est un immeuble très vieux et ça vibre beaucoup. Et du coup, c'est un peu dérangeant. Donc on essaie de trouver des solutions. Là, il y a tout mon stock de poches que je viens de recevoir. Donc c'est pas très joli, mais... Ici, on va coffrer afin de cacher ça. Et puis bon, là, il y a du linge sale encore parce que forcément, quand on emménage, le linge sale, ça s'accumule. Donc, on a une grande douche. Voilà. On peut avoir des jets de massage, etc. Mais en fait, bon, voilà, nous, on prend une douche normale. Donc, voilà. Les toilettes, évidemment. Ici, on a notre petit lavabo qui est très bas en fait, et donc un grand miroir. Et ici à côté, il y a vraiment tout ce qu'on utilise le plus souvent, que ce soit à portée de main. Alors ici, il y a mon piano. Bon, il y a la litière sale de mon chat que je dois changer aujourd'hui, avec une œuvre de Lulu. C'est ma tatoueuse. Je vais acheter ce triptyque qui est magnifique. Donc il y a Poison Ivy, Harley Quinn et Catwoman. Un petit mug. Ici, on a notre meuble télé avec nos consoles, la PS4, la PS5, la Switch. Un petit peu de déco. Ici, un petit coin de décoration avec nos petites figurines de LOL. Donc League of Legends, petit Harry Potter sur sa petite boîte à musique. Là, il y a ma harpe, notre petit décodeur, l'immense palace de la Fufu, voilà, qui est très contente d'avoir un nouveau chez elle. Ici, on a une bibliothèque, voilà, j'ai plus beaucoup de livres, je m'en suis séparée de énormément de... Enfin, voilà, j'ai fait un gros tri, j'ai donné beaucoup, beaucoup, beaucoup... parce que j'en avais trop et il m'en reste quand même pas mal. Nous avons un balcon. Voilà, joli petit balcon. Il y a un rideau qui sèche ici. Voilà, comme ça. Ensuite, notre petite salle à manger, notre petite table. Donc là, il y a une deuxième porte. Ici, c'est les plaques vitro-céramiques qu'on doit changer. Là, c'est normalement pour un lave-vaisselle, mais en attendant, on a mis les poubelles. Et donc là, la cuisine, des rangements. L'évier est tout petit, donc j'aimerais bien en avoir un plus grand. Mais sinon, c'est fonctionnel. Voilà, on va la changer parce qu'elle est abîmée, cette plaque qu'on a eue, enfin, qui était déjà là quand... quand l'appartement a été acheté. Donc c'est l'appartement de mon chéri en fait, hein. Il est propriétaire. Là, il y a le frigo et congélateur et rangement qui sont cachés ici. Quand on arrive ici, on a une très jolie pièce. C'est notre pièce préférée, je pense, avec mon amoureux, puisque c'est notre bureau. Donc vous voyez, lui, il a son PC gaming que je lui avais offert avec le fauteuil. L'écran aussi, c'est moi qui lui avais offert. Ici, on a mes affaires, mes perruques pour mes make-up artistiques.
de la déco, mes bijoux. Ici, c'est tous mes habits. Donc chéri, lui, ses habits, ils sont dans le couloir en face de la salle de bain, puisque le matin, il se lève, il prend sa douche, il s'habille dans la salle de bain, donc c'est beaucoup plus pratique. Et moi, en général, je viens m'habiller ici. Donc ici, il y a nos petits papiers, voilà, tout ce qui est voilà, classé, les factures, les papiers importants, les assurances, mon dossier médical, etc. Ici, il y a tout mon make-up, enfin mon bureau make-up, qui ne me sert pas uniquement pour le make-up. Donc je vous ferai un détail des rangements dans une autre vidéo de comment j'ai rangé mon make-up, où je vous montrerai exactement tout à une place. Il y a aussi donc mon ordinateur pour travailler. Et ici, j'ai toutes mes petites affaires pour faire mon scrapbooking. Je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier, je crois. Et donc, je vous ai dit que je m'étais mis en fait au scrapbooking. Et ça me détend énormément. Et j'adore ça en fait. C'est vraiment des collages comme ça. Et donc, c'est ici que je fais faire ça. Et donc, j'ai ma petite réserve d'autocollants, etc., qui est ici. Et voilà, là on a donc là c'est cette guirlande, elle est magnifique, c'est ma soeur qui nous l'a offert. C'est vraiment très joli. Donc là on a mon miroir en pied qui me permet de faire des vidéos quand je suis. Je vais faire vous montrer comment je suis habillée. Donc là il y a une guirlande magnifique qui vient de chez Killstar. Alors l'étoile là-bas aussi, elle est lumineuse et elle vient de chez Killstar. Bon, j'achète plus maintenant parce qu'il y a des frais de douane. Donc là, il y a une partie de mon make-up, je vous montrerai ça plus en détail. Ma petite plante qui fait un peu la tête parce qu'il faudrait que je la rempote, elle n'a plus assez de place dans son petit pot là. Et donc voici le bureau où je me pose pour filmer. Donc là, il y a mon trépied, j'ai même mon trépied en général ici. Mes affaires de make-up là quand je filme. Mais je trouve que je suis un petit peu loin. Donc. Parfois, je pense que je vais vraiment mettre le trépied sur la table pour faire des vidéos afin que vous voyez vraiment bien mon visage. Donc ici, on a un petit rideau qui donne sur une fenêtre, comme ceci. Un petit peu de déco encore. Et là, on a une porte qui nous mène à notre chambre. Alors, on a décidé, en fait, à la base, c'est donc une toute petite pièce, elle fait 7 mètres carrés. Et en fait, on voulait mettre le bureau. À la base, je m'étais dit, je ferai ma pièce YouTube ici. Et finalement, on s'est dit, avec mon amoureux, dans le lit, voilà, on passe notre temps pour dormir, pour se reposer. Mais le reste du temps, on est plutôt dans le reste de l'appart. Donc, pourquoi utiliser toute cette pièce-là pour la chambre? Parce que du coup, on aurait mis le lit ici, ça aurait gaspillé de l'espace. Parce qu'on pensait du coup mettre le bureau de Nicolas dans le salon, donc ça aurait été une perte de place au final. Donc on est très content de notre petit coin lit comme ça, puisqu'au final ça fait très cocooning et donc on adore. Vraiment, moi je suis super bien. En plus, les grands-parents de Nicolas nous ont donné leur matelas puisqu'ils changeaient de matelas. Et du coup, on est super bien, on est super confort. Ici, il y a une boule, c'est sa batte qui est cachée, il a peur. Il se demande ce qui se passe. Et puis donc ici, on a notre petite fenêtre aussi. Et puis voilà, un petit peu de déco, des papillons, pour toujours penser à ma maman. Enfin, j'ai pas besoin de ça pour penser à ma maman, hein. Mais c'est un cadeau de ma maman, les petites guirlandes papillons. Là, il y a quelques livres. Mon petit attrape rêve. Et là, il y a ma petite table de nuit avec tout ce qui est médicaments dedans, surtout parce que je prends pas mal de médicaments le soir. Et donc voilà, donc on a une porte et en fait, du coup, hop, je retourne dans l'entrée et la boucle est bouclée. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit tour de notre nouvel appartement vous plaît, vous a plu. Donc on est installé depuis pas très longtemps puisqu'on a effectué le déménagement le 19 mars. Et voilà, donc j'ai vidé les cartons au plus vite. J'ai voulu qu'on soit vraiment au plus vite voilà, comme si on était installé depuis longtemps. Et je trouve que c'est plutôt réussi. En tout cas, moi, je me sens vraiment super bien dans cet appartement.
Je remercie chaque jour mon chéri de m'offrir cette vie qu'il m'offre. Et voilà, je suis super heureuse. Écoutez, je vais clôturer la vidéo ici. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo où normalement, je vais vous montrer mon rangement make-up. Gros bisous à tous!